Bonjour, alors là c'est ma première sur les déblogueurs, hein. D'habitude je suis de l'autre côté, donc je suis super content. Et on est en présence de deux fortes personnalités, hein. C'est-à-dire qu'à sa mort on essaye d'inviter des gens qui ont du caractère. Et donc vous avez d'un côté une Belge, folle, on peut le dire, elle est carrément folle, et vous avez de l'autre côté une sorte de Belge français, il est breton. En plus, pour accentuer la chose, il est malouin, comme moi, un peu. Donc, on a des, voilà, on sait à peu près de quoi on parle. Et c'est la littérature comme je l'aime. Alors, Nadine Monfils, pour vous cerner la chose, elle écrit des livres. Par exemple, le dernier, c'est un type qui est le sosie de Elvis Presley. Il a une espèce de chienne, Priscilla, bien sûr. Il a une Cadillac rose, hein. Alors c'est vraiment la caricature du sosie, il est complètement il est tiré, hein, le type, hein, il est quand même il est pété, hein, oui, on peut le dire. Alors lui il va faire des spectacles dans les maisons de retraite, alors genre c'est le Rossignol Guiret, votre, c'est ça déjà, une maison de retraite qui s'appelle Rossignol Guiret, moi je me méfierais. Et alors avec sa grosse Cadillac rose, il lui arrive un truc, c'est qu'il renverse une personne. Et cette personne, c'est quelqu'un de très connu. Comment elle s'appelle ? Joël Bermude. Ouais, et elle est connue pour quelle série ? Buffy et les vampires. Vous voyez, vous imaginez déjà l'ambiance. Et là, ça va partir. J'adore parce que cette femme joue avec les mots derrière l'humour. En fait, c'est une, elle a l'art de la formule. Il ne faut pas le lire dans le métro, son livre, parce que vous éclatez de rire. C'est quand même assez belge, hein. Ils sont un peu belges quand même, hein. Ils sont, hein, c'est ça ? Ouais, un peu beaucoup. Ils ouais. sont un peu beaucoup, ouais. Hein, oui. Et donc, alors il y a là, il tombe amoureux, enfin une femme le poursuit un peu. Elle était majorette, hein. Oui. Et comme elle dit, moi je sais jouer du bâton, donc avec le tien il y a pas de problème, je saurais jouer du bâton. Ouais. Donc voyez l'ambiance, c'est déjà, c'est très très, voilà. Et c'est plein de rebondissements. Vous y croyez ? Mais alors le pire c'est que vous y croyez, hein. On est clair. Mais c'est une histoire vraie, ouais. C'est une histoire vraie. Oui, oui. Ouais. Ah, vous pouvez nous donner les noms là en direct ou pas de genre... D'accord. Et puis à côté, vous avez un monsieur comme ça aussi qui a l'air classique, mais il est aussi. Alors, c'est de l'humour, c'est un peu différent. Hein. C'est breton, donc. Mais si vous êtes français, on peut comprendre aussi. Hein. C'est pas péjoratif. D'être breton ? Oui. Non, d'être français, oui. Ah, oui. Mais pas breton. Donc, tous ces polars se passent. Vous êtes originaire de Saint-Malo, je pense. Saint-Malo, vous vivez oui. à Saint-Malo. Ouais. Donc, tous ces polars ouais. se passent à Saint-Malo. Moi, je l'avais. Alors, les Américains, ils ont le Dahlia noir. Et nous, on a le. Hortensia Blues. Voilà, bah donc ouais. Orsage. Je l'ai découvert comme ça, c'était une petite maison d'édition. Malouine, ouais, ouais, absolument. Et vous êtes, c'est pour moi la quintessence de ce que le polar français peut faire n'oubliant pas ses racines. C'est-à-dire que tout se passe dans ce milieu, ça se passe à Sézambre aussi. Le deuxième voilà. se passe à Sézambre. Vous pouvez me raconter, par exemple, qui est votre inspecteur ? Le personnage principal, c'est le commissaire Workan, qui est d'origine polonaise. Son vrai nom, c'est Workanowski. Et pour des raisons que j'explique, notamment dans le premier, dans Hortensia Blues, il perd la moitié de son nom à cause de son grand-père pendant la résistance, etc. Donc le personnage principal, c'est Workan. C'est un personnage un peu désabusé, il est assez caustique. Et voilà. Provoque des situations qui font rire, voilà. Et qu'est-ce que vous cherchez à décrire plus particulièrement dans vos polars ? Vous avez cherchez, pardon ? À décrire, c'est-à-dire vous avez... Moi, ce sont les gens, quoi, les psychologies des personnages. J'aime beaucoup la dérision, l'autodérision, donc je m'amuse avec ça. Quoi. Et vous imaginez écrire vos polars ailleurs que dans le monde de la Bretagne ou Ah c'est oui, vrai... oui, bah, j'ai écrit un livre qui se passe en Amérique du Sud qui n'a rien à voir avec Workan, qui est beaucoup plus noir, qui s'appelle « J'étais tueur à Bekenra City », qui raconte l'histoire d'un chasseur de primes. C'est un pays qui se situe entre le Brésil et la Guyane. C'est un chasseur de primes et au début du livre, il reçoit un contrat d'un juge un peu véreux. Il doit tuer la bourgmestre de la ville. Et tout le livre, on le voit
préparer son attentat. Est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il ne va pas y arriver ? Voilà, c'est l'histoire. Alors ça, le Salon de sa mort, c'est un peu fait pour ça, parce que je trouve que les critiques parisiens, les critiques nationaux, dès que ce n'est pas à Paris, on n'en parle pas trop. Hein, dès qu'on dépasse Neuilly, ouais, ou Chantilly, c'est fini. Donc ouais, c'est vraiment une des grandes injustices, parce que ce monsieur, c'est vraiment un des meilleurs écrivains de polar français. Ça marche aussi, il ne faut pas non plus exagérer, on ne va pas faire dans le misérabilisme, mais trouve que ce n'est pas à la hauteur de sa réputation et pas à la hauteur de son talent et tout. Et je trouve que Saint-Maur, si vous allez le voir, il a son stand. Il faut absolument... C'est des petits livres, en plus, ce n'est pas cher, il ne faut pas nous dire que... Voilà. Et vous allez voir, vous allez redécouvrir la Bretagne, vous allez redécouvrir... C'est un suspense tout... Et puis en plus, c'est psychologiquement très fin, puis ça vous donne envie d'aller en Bretagne, hein, c'est clair, puis découvrir les gens. Passer ses vacances sur une île, sur ses Andes, par exemple. Ouais. Là, vous allez... c'est un peu particulier, hein, les vacances sur ses Andes. Mais vous allez redécouvrir l'histoire de la Bretagne, même, à travers tout ça. Oui, j'en parle un petit peu. Et mon dernier livre, qui s'appelle Opération Porcelaine, alors je me suis éloigné un petit peu, bon, Bretagne ou pas Bretagne, se passe au Musée des Beaux-Arts de Nantes, où des malfrats viennent pour voler de la porcelaine de Chine, des vases Ming, etc. Et quand on touche à la porcelaine, quelquefois, elle se casse, quoi. Oui, ça, c'est clair. Vous, Nadine, vous avez un personnage culte, quand même. Hein. Comment elle s'appelle, Mémé ? Comment vous l'appelez, Mémé ? Mémé Cornemuse. Alors, Mémé Cornemuse, c'est une obsédée sexuelle. Hein. C'est clair. Hein. Elle a 83 ans, mais elle s'attaque aux petits jeunes, quand même. Hein. Faut pas tomber entre ses mains. C'est une cougar, elle aime flinguer, enfin, elle est sympa, mais il ne faut pas qu'on l'emmerde. Quoi. Oui. Alors, dès qu'on lui cherche des puces, ben, voilà, elle flingue. Elle tue, oui, elle tue. Et puis, elle est quand même, elle est très amoureuse de quelqu'un de mythique, quand même. Ah oui, de notre Nietzsche belge, notre grand philosophe Jean-Claude Van Damme. Voilà, elle en est complètement gaga, au point de vouloir aller à Hollywood aussi pour l'épouser. Et donc, vous imaginez, c'est une ambiance absolument extraordinaire. Je veux dire, j'ai jamais lu de livre avec des personnages comme ça. C'est-à-dire, c'est entre Audiard, Lautner, les tontons flingueurs, vous avez les Marx Brothers. Et en plus, c'est une excellentissime écrivain. C'est-à-dire que... Il y a des gens qui gonflent les... Il y a des écrivains qui se prennent pour des écrivains et qui vous gonflent avec un style, vous comprenez rien, ils s'écoutent écrire et ça, c'est tragique. Et elle, vous vous écoutez en la lisant. C'est-à-dire qu'il faut lire ses bouquins en les lisant à haute voix parce que ça chante, c'est drôle. Et puis, je ne sais pas où elle va chercher. Vous allez chercher toutes ces aventures, vous allez chercher où? Parce que je ne vais plus jamais aller à Bruxelles si jamais ils se ressemblent tous comme ça, parce que c'est incroyable quand même. Je crois que c'est un peu comme Obélix. J'ai dû tomber dedans quand j'étais petite, parce que j'avais quand même des grands-mères qui étaient croquignolesques. Une qui ne parlait que bruxellois, l'autre qui ne parlait qu'wallon. J'ai vécu dans un univers de contraste aussi, avec... une mère qui habitait en dessous dans un univers aseptisé avec des fausses plantes en plastique et avec une grand-mère qui tenait un tripot en haut, quoi. Donc c'était... D'accord, s'il y a des racines. Vous écrivez aussi des pièces de théâtre, je crois. Oui, j'en ai écrit une dizaine qui étaient jouées en Belgique. Et j'ai fait un film aussi. Et vous avez fait un film culte. Ouais. C'est quoi ce film ? Madame Édouard avec Michel Blanc. Alors je vous conseille, si jamais vous n'avez pas regardé ce film, c'est un film absolument culte qui se passe à Paris. Dans un café-hôtel, hein, c'est ça ? Avec des personnages... À la mort subite, oui. À la mort subite, vous voyez, déjà, aller à un hôtel qui s'appelle La mort subite. Et c'est vraiment un des films... Alors, moi, je ne l'avais pas vu, elle m'avait invité. Et j'avoue que je suis resté... c'est ce genre de livre, de film qui, dans 30 ans, continuera. On se le passe sous le manteau. Il y a plein de gens qui sont... tu connais. Alors, il y a ceux qui aiment et qui connaissent. Et là, c'est le club. Hein. Et puis, il y a ceux qui ne connaissent pas, qui ne méritent pas de vivre. Quoi. C'est un peu ça. Hein. Donc, extraordinaire. Ça vous tente, le cinéma ou pas ? Des adaptations, on vous a proposé ? Ça me tenterait si j'avais des propositions. Il y en a eu quelques-unes, mais bon, ça ne s'est pas ça fait. Mais parce qu'ils sont très visuels, vous... Oui, c'est très visuel. C'est-à-dire que, il y a des gens, vous n'imaginez pas, mais même si vous n'avez jamais allé à Saint-Malo, il arrive à vous... Enfin, vous entendez les vagues, vous entendez... Oui. D'accord. Non, c'est très visuel. J'ai eu des contacts, mais il n'y a pas eu de résultat... probant pour l'instant. D'accord. Bon, alors, franchement, il faut... Ça m'énerve un peu parce que j'ai vu... Moi, j'adore Guillaume Musso, hein, donc c'est un copain. Bon, il avait une queue de 15 mètres ou de 30 mètres de long.
Et puis, il y a des gens comme ça qui sont d'une qualité littéraire, d'imagination, qui dans son genre sont des pointures. Et puis, ce sont des livres qui resteront, parce que je suis absolument persuadé. Il y a des livres dont je suis persuadé qu'une fois qu'on les a lus, on les oublie et que les auteurs, bon, c'est sans grand intérêt. Mais là, vous avez deux personnes où je suis absolument persuadé que leurs bouquins resteront, parce qu'ils font partie, à leur manière, de l'histoire littéraire, c'est-à-dire... dans l'histoire de la littérature bretonne, hein, enfin, c'est pas péjoratif, hein, ah non, non, dans mais mon truc, compris. C'est comme et que je trouve que ça restera parce que ce sont des références de par la psychologie, de par la manière dont ils traitent les événements, et puis que en plus vos personnages, ils sont vraiment l'inspecteur, il est, on s'en souvient quoi. Oui, et puis les bon, on parle breton, mais lui, c'est quand même un Polonais au départ, donc oui, c'est... voilà. C'est le choc des cultures quand même. Hein. Non, il est polonais, il vit en Bretagne, mais il ne boit pas, c'est surprenant. Il y a un problème. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller de lire ces deux livres. Et puis, alors, ils en ont écrit plein. Hein, ça, attends, par exemple, là vous avez le dernier qui s'appelle Ice Cream et Châtiment. Vous voyez, ça ressemble à la couverture. Déjà, on ne peut pas dire que ça soit très classique. Alors vous aviez... La vieille qui voulait tuer le bon Dieu, déjà, vous voyez, c'est un peu entre Pierre Dac, Lautner, Sant'Antonio, qui est bon, quelqu'un qui aurait bu beaucoup de pastis et qui écrit après, quoi. C'était absolument génial. Et puis, vous avez vous aviez Ces Ombres Noires. Moi, j'adore Ces Ombres Noires parce que je trouve qu'il est, je sais pas, il est sombre, il est comme j'aime, c'est-à-dire... Il y a un duo assez comique entre le tueur à gages et le commissaire. Et puis, il y a Ces Ombres, si je vous donne un conseil, c'est vous êtes passé vers Saint-Malo, essayez d'aller voir Ces Ombres, on s'en souvient. Hein, c'est une magnifique, île, ouais. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'être venu. Et puis, il y a un petit événement... voilà, alors il y a un petit événement parce que c'est ça que j'aime bien à Saint-Maur. Je voudrais faire venir sur la scène une dame qui s'appelle Marianne. Elle peut venir, Marianne ? Bonjour. Oh, j'ai des bisous. Alors, tenez. Cette dame, je la connaissais pas depuis. Je la connais pas depuis. Bah non, c'est la première fois qu'on se voit. Et c'est une dame qui représente un peu ce que j'aime dans les gens qui viennent à Saint-Maur. Vous venez depuis combien de temps à Saint-Maur ? Je crois que c'est la 7e fois. Voilà. Et ça, c'est génial. Et vous venez d'où ? Belgique. On a beaucoup de Belges. J'adore parce que c'est. Voilà, ça, moi, pour moi, avoir des Belges, je trouve, c'est qu'on n'est pas encore complètement bourge jusqu'au bout et qu'on est un peu fou et qu'on. Voilà, quand j'aurai plus de Belges, je crois que je me retirerai de ce métier. Et alors, cette dame, c'est votre anniversaire. C'était quand votre anniversaire ? Mercredi. Et qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau ? C'est mon cadeau, c'est sympa. Voilà, alors le cadeau, je trouve ça absolument génial, c'est que son mari, pour son anniversaire, c'est de venir à Saint-Maur. Et il vous a, vous avez droit à combien de livres ? Une cinquantaine. Voilà. Donc, vous voyez, je trouve, voilà, je connais pas votre mari, mais je trouve que c'est quelqu'un de goût et de drôle. Donc, je tiens à travers cette dame, c'est à remercier tous les gens qui viennent à Saint-Maur qu'on connaît pas. Il y a pas que les vedettes en fin de compte, ce sont pas les écrivains, hein, parce que les écrivains, ils auraient l'air, je ne sais pas quoi, dans leur petite guérite, sans lecteurs et sans gens qui viennent les voir et qui viennent de loin, parce que dans ce salon maintenant, il y a des gens qui viennent de Belgique, du Québec, de Suisse, que je remercie, même de Londres. Il y a des gens qui viennent de toute la France, qui viennent à plusieurs, qui louent des camionnettes. Enfin, c'est quand même une histoire extraordinaire parce que au début, quand on a commencé, je me suis dit on va voir 10 personnes et puis ça va durer une seule année. Et en fin de compte, ça dure, ça fait 9 ans. Et 9 ans, on existe grâce à des gens comme vous qui nous écoutez. D'ailleurs, je vous admire parce que moi, je ne sais pas si je tiendrais à cette heure-ci pour écouter les élucubrations d'un type un peu pas net. Bon, heureusement, il y a des écrivains. Et puis, elle est le symbole exactement de ce que j'aime à Saint-Maur et que j'aimerais que ça continue à être, c'est-à-dire quelqu'un, c'est pas un truc pour people, c'est un truc pour gens comme nous, normaux, enfin à peu près normaux, et puis qui aimaient la littérature, les livres, et qui venaient pas voir des people, mais des gens qui écrivent et qui essayent de partager leur joie d'écrire et les mots, et qui est
continue à pas y avoir de frontières entre les écrivains et les lecteurs et que vous soyez, vous pouviez leur taper un peu sur le dos, leur parler normalement et qu'il n'y ait pas une attachée de presse derrière qui leur dise vous avez parlé pendant 2 minutes et qu'au bout de 2 minutes vous dégagez quoi. Et puis qu'il n'y ait pas de différence entre Guillaume Musso et c'est des écrivains qui ne sont pas forcément popularisés par les médias et que bah, je vous remercie d'être là et puis j'espère que vous continuerez, que sans vous, bah, si, quand vous ne viendrez plus, ça sera fini sa mort. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci.